Un aperçu de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa Paix et bénédiction d'Allah sur lui. Sa lignée tout d'abord. Il est Mohammed, fils de Abdullah, fils de Abdel Muttalib, fils de Hashim. Hashim étant de Quraysh et Quraysh faisant partie des Arabes. Les Arabes étant les descendants de Ismaïl fils de Ibrahim alayhi Sa naissance. Il est né à la Mecque, l'année de l'éléphant, au mois de Rabi al awwal il a vécu 63 ans, 40 ans avant la prophétie et 23 en tant que messager et prophète. Il était orphelin, son père décédant avant sa naissance. Il fut donc sous la charge de son grand-père, Abdul Muttalib, jusqu'à sa mort, puis sous celle de son oncle, Abu Talib. Son envoi. Il fut envoyé aux humains et aux djinns. Tout celui qui a entendu son message sans y croire et mécréant, quel que soit son statut. Son appel, il appela au monothéisme et à la perfection des mœurs et des actions, ainsi qu'il interdit le polythéisme, les mauvais comportements et les mauvaises actions. Le voyage nocturne et l'ascension, l'Israël mi'raj. On lui fit faire un voyage nocturne de la Mecque à la mosquée sacrée de Jérusalem, puis une ascension jusqu'au septième ciel. Allah s'adressa à lui et lui prescrit les cinq prières. Son émigration et sa mort. Il émigra de la Mecque à Médine où il décéda. Il fut enterré dans la chambre de la mère des croyants, Aïcha Anha. Sa mission. Allah paracheva par son biais la religion. Il transmit parfaitement le message, accomplit sa tâche, conseilla sa communauté, lutta pour Allah. Personne ne peut ajouter quoi que ce soit à cette religion. Ses batailles les plus importantes. Elles sont au nombre de sept. Badr, Uhud, les tranchées, Al-Khandaq, Khaibar, la conquête de la Mecque, Tabouk et Hunayn. Ces sept enfants, Al-Qasim, Ibrahim, Abdallah, qui a comme nom également Al-Tahir, Al-Tayyib, Zaynab, Ruqayya, Umkulthum et Fatima, tous moururent de son vivant, excepté Fatima qui décéda six mois après lui. رضي الله عنها سدوز إبوز خديجة سودة عائشة حفصة زينب الهلالية أم سلمة هند زينب بنت شحش جويرية بنت الحارث صفية بنت حويي أم حبيبة رملة ريحانة بنت زيد ميمونة Bint al-Harith, les femmes qui l'ont allaité, sa mère Amina bint Wahb, Wahibah l'a franchie de son oncle Abu Lahab, Halima bint Abi Dawab, as -Saudiya. Les premiers versets qui lui, furent, qui lui furent révélés, la parole du Très Haut dans le chapitre 96, l'adhérence al alaq bismi rabbika alladhi Lis au nom de ton Seigneur qui a créé qui a créé l'homme d'une adhérence. Iqra ton seigneur est le très noble. Alladhi allama qui a enseigné par la plume. Allama a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. » Les premiers à avoir cru en lui. Parmi les hommes, Abu Bakr al siddiq Parmi les femmes, la mère des croyants, Khadija bin Twailid. Parmi les enfants, Ali ibn Abi Talib. Parmi les affranchis, Zayd ibn Haritha. Et parmi les esclaves, Bilal ibn Rabah. Son pèlerinage et sa Umrah, sallallahu alayhi wa Le prophète accomplit quatre Umrah, petits pèlerinages, toutes pendant le mois de Dhul Il accomplit un seul pèlerinage que l'on nomme le pèlerinage de l'adieu, Dieu, Hajjatul en l'année 10 de l'Égir. Son comportement, sallallahu alayhi wa sallam. Allah le Trio dit Et tu es certes d'une moralité éminente. La mère des croyants Aïcha, disait Son comportement était le Coran. L'importance d'étudier sa biographie. Ibn al-Qayyim a dit Si le bonheur du serviteur dans ce bas monde et dans l'au-delà dépend du suivi de la conduite du prophète, sallallahu alayhi wasallam, il incombe alors à tout celui qui désire le sauvetage de son âme et son bonheur de connaître sa guidée, sa biographie et sa conduite d'une quantité qui le fera sortir des ignorants le concernant, et qui le fera par entrer parmi le nombre de ses fidèles, de son parti et de son clan. Les gens concernant cela sont entre l'abondance, la pauvreté et la privation. Et la grâce est dans la main d'Allah, il la donne à qui il veut, il est le détenteur de la grâce immense.